jamais terminé de faire son show. Ça paraît quand on fait faire une sieste à Coco avant les Facebook Live. Hein, il est beaucoup moins endormi. Donc... Continue. On est dedans, on fait une gigue. Faites la gigue, vous aussi, à la maison. À la manière de Coco. On gigue, on gigue, on gigue, on gigue. Là, j'ai des amis qui sont impatients ici, qui ont envie d'être les vedettes, qu'on parle d'eux. Mais Coco est tellement motivé dans sa gigue! Est-ce qu'on peut prendre ta place? Ah. Hey, c'est plate, hein, mais on dirait que je prends ça pour un nom. OK! Ben Coco, en fait, les amis que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est des perroquets! Comme toi! Ben oui, regarde! Hein? Ce qui tombe ici, et là, attention, caché dans ma chemise de juste ici, il y a Rio! Ben oui! Elle est cachée dans ma chemise! Tu sais pourquoi? Parce que Rio et moi, on s'aime beaucoup, beaucoup. Et eux, ce sont des perroquets comme toi, mais des petits perroquets! Hein? Quand ils veulent, ils font autant de bruit que toi. Oui! Oui! Là, Coco, est-ce que tu veux qu'on invite ensemble les gens à nous suivre sur nos différentes plateformes? On tente par là-bas, Coco. Les gens, ils veulent voir qu'est-ce que tu dis. Suivez-nous sur nos différentes plateformes. Notre YouTube, notre Instagram, notre Facebook. Et aussi, Coco, est-ce qu'on annonce qu'est-ce qu'on vient de sortir comme service? Hein? Un beau produit en ligne, donc fête, animation pour réunir la famille. Oups, j'ai fait tomber le papier. Donc, un beau programme dans lequel on peut aussi voir des perroquets. Hein? C'est pas le perroquet qui fait la présentation, par exemple, parce que c'est un peu incohérent, des fois, quand il parle. Est-ce qu'on a passé nos messages, Coco? Il ne dit plus rien. Je pense que ça veut dire qu'il a fini de parler. Qui tu dis bye-bye aux gens? Dis bye-bye, Coco. Bye-bye! Bye, Coco! Bye-bye! Bye-bye! Bye bye Coco, bravo garçon. Bye bye. Ok, donc salut tout le monde. Donc je vous ai déjà introduit au sujet. Aujourd'hui on va parler des petits perroquets. Donc j'ai avec moi le beau Skittle, juste ici. Donc il est un connure soleil. Donc très facile de savoir pourquoi on l'appelle le connure soleil. Il est rayonnant, il est magnifique avec ses belles couleurs jaune-orange. Skittle, il aime danser. Est-ce qu'on danse, Skittle? Un DJ dans l'âme et un danseur dans l'âme aussi. Donc, il n'est pas tout le temps super vif comme ça. Des fois, il danse un petit peu plus relax. Hein, Skittle? Donc, l'autre conneur que je vous ai amené... Tu veux continuer à danser? On continue à danser. L'autre conneur que je vous ai amené... Son nom, c'est Rio. Et Rio a un peu moins d'entre-gens et d'énergie hein, que Skittle, le conneur soleil. C'est un conneur à joues vertes. Donc, je vais vous la présenter. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, elle est cachée dans mon chandail parce qu'on s'aime beaucoup. Donc,
La belle Rio, juste ici, elle a... Ne regardez pas son apparence dépravée, hein. C'est parce qu'elle est en train de muer. C'est pour ça qu'on voit des petits bouts ici, des espèces de petits pics étranges là, au niveau de sa tête. Ce sont des plumes qui sont en train de se changer, de pousser, parce que oui, les oiseaux également vont muer. Ils vont refaire leur plumage pour l'hiver ou l'été qui arrive. Et pourquoi elle, on l'appelle la conure à joues vertes? Ben, regardez au niveau de ses joues, tout simple. Elles sont vertes. Donc, il existe d'autres types de conures, mais celles qu'on a chez Educazoo, ce sont vraiment les conures à joues vertes, conures soleil. Donc, pendant la vidéo, posez des questions, un maximum de questions, ça me fait super plaisir d'y répondre en live. Ou si on n'a pas le temps d'y répondre en live, bien, c'est certain qu'on vous répond par écrit sans faute. Donc, leur histoire, en fait, Rio, c'est une femelle qui a environ 9 ans. Donc, elle est arrivée chez Educazoo là, en 2016, donc ça fait quand même quelques années qu'on l'a avec nous. La raison pour laquelle les personnes qui avaient Rio à la maison s'en sont départies, en fait, c'est que c'était un oiseau qui était très, très, très agressif. Elle avait la possibilité de voler partout dans la maison, un très gros territoire à défendre, et personne n'était capable de la prendre là ou de la manipuler. Donc, comme elle avait un très fort caractère et que personne à la maison n'était en mesure de la prendre, bien nous, on est allé la chercher. Puis aussi, il faut dire que dans son ancienne maison, il y avait un gros chien. Donc ça, c'est comme un facteur de stress un peu pour des oiseaux qui peuvent être des proies dans la nature. Donc, Rio, ben, on l'a adopté, on l'a amené chez Educazoo. Puis là, elle s'est ramassée dans un environnement avec d'autres amis oiseaux, ce qui a fait en sorte que, bon, elle s'est tranquillisée. Et là, ben, vous voyez, hein, il n'y a absolument aucune agressivité dans cet oiseau-là. Je la rentre dans ma chemise, puis elle peut passer des heures et des heures là. Évidemment, elle sort pour faire ses petits besoins, puis ensuite, elle entre à nouveau. On a déjà une première question. Oui, Joël voudrait savoir quelle est leur espérance de vie. L'espérance de vie, autant le conure à joues vertes que le conure soleil, ça va tourner autour de 20 à 30 ans. Donc, en captivité, ça peut facilement aller jusqu'à 30 ans s'ils ont de la bonne nourriture, de bons soins et tout. En captivité, comme je l'ai mentionné, ben c'est ça, ça peut être des proies hein, pour de plus gros oiseaux, pour des mammifères, des reptiles ou encore. Donc, à ce moment-là, ben, ils peuvent vivre un petit peu moins longtemps. Une autre question. On a Loïc qui aimerait ça savoir, est-ce qu'on peut réussir à leur faire faire des coucous? Faire des coucous? Ou faire dire coucou, désolé. Faire dire coucou. OK, parfait. Ben en fait, les conures, ce sont des perroquets qui sont très intelligents. Ils peuvent apprendre à communiquer, donc ils vont avoir diverses façons de communiquer avec nous, soit par des parades, soit par des cris, des chants, etc. Les conures vont généralement apprendre là, une dizaine de mots, grosso modo. Donc, oui, c'est possible de leur faire dire des coucous, mais c'est certain qu'il faut les stimuler lorsqu'ils sont très jeunes. Donc, c'est un peu comme un enfant. Plus il est stimulé étant jeune, plus c'est facile de leur apprendre à dire des mots. Donc, par exemple, Rio qu'on a eu... Excusez, ma bouteille d'eau. Donc, Rio qu'on a eu à l'âge de 6 ans au refuge, eh bien, elle, il est un petit peu tard pour lui apprendre à dire de nouveaux mots. Ça ne veut pas dire qu'elle en apprendra jamais. Sauf que c'est un petit peu plus de travail qu'avec un jeune... qu'un jeune conneur. Si on parle, par exemple, de Skeeter ici présent, je vais vous raconter son histoire. Donc lui, en ce moment, en fait, en mars dernier, il a eu 2 ans. Donc c'est encore un jeune conneur à qui on pourrait facilement apprendre à faire des mots. On peut lui apprendre à dire des choses en particulier. Donc encore une fois, une dizaine de mots tout au plus. Et Skeetle avait une famille très, très aimante, mais à l'endroit où il l'avait adopté, quand il était un tout petit bébé encore, il leur avait dit que un conneur, 1-2 heures par jour, tout simplement, pour les manipuler, c'était suffisant. Évidemment, c'est des enfants toute leur vie. Les conneurs, ça a besoin d'un petit peu moins d'attention que notre coco de tantôt. Sauf que ça a quand même besoin de beaucoup d'attention. Donc, c'est facilement un 4-5 heures par jour qu'il faut mettre sur ces oiseaux-là. Et je vous dirais que si le conneur soleil pouvait passer sa journée entière collé sur nous, il serait le plus heureux des oiseaux. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il continue à rapper. Donc, je vais juste aller récupérer Rio qui a décidé de s'en aller sur la caméraman. Donc, Rio, tu peux venir ici si tu veux. Il était caché. Ouais, bye. Donc, pour ce qui est de Skeeter, comme je disais tout à l'heure, ben sa famille, malheureusement, s'est rendue compte qu'il n'y avait pas vraiment assez de temps à leur donner. Puis c'était des gens là, qui adoraient leurs oiseaux. Ils ont acheté au-dessus de 2 000 $ de matériel. Puis c'est vraiment en contre-cœur qu'ils nous l'ont laissé. Mais ils savaient pertinemment qu'ils seraient mieux avec nous. Donc, ils nous l'ont donné, nous on l'a adopté avec plaisir. Et une chose qu'on s'est rendu compte quand il est arrivé chez Educazoo, on s'est rendu compte que notre beau Skeeter faisait ce qu'on appelle du gagging. Qu'est-ce que c'est du gagging? En fait, c'est juste
de faire aller sa tête vite, 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 comme ça, quand il voit quelqu'un. J'en ai une vidéo, pas trop loin, qu'on va vous montrer, en fait, à quoi ça ressemble précisément le gagging, et en même temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Pourquoi Skeeton, il faisait ça, en fait? C'est que Skeeton n'avait pas été sevré adéquatement. Donc, c'est un petit qui a été retiré de sa mère trop tôt. Donc, c'est un comportement qu'il a développé pour quémander. Donc ça, les oiseaux, en général, les petits oiseaux, les bébés vont faire ça pour quémander de la nourriture à leurs parents. Donc, Skeeton, pendant au moins un 2-3 mois facilement après qu'on l'a eu, on a dû le gaver avec de la nourriture pour éliminer graduellement ce comportement de quémandage. Et là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait la nourriture. Donc, c'est une espèce de petite poudre qu'on mélange avec de l'eau et qu'on met dans une seringue, comme ça, ça fait une espèce de pâté. Voilà, ça sort comme un petit spaghetti. Donc, Skeeton, à tous les matins, on lui donnait la seringue comme ça pour qu'il puisse manger comme il faut. Et éventuellement, son comportement de gagging, donc de bouger la tête pour quémander, ben il s'est tranquillement en allé. Donc, on a vraiment réussi à défaire ce comportement-là qui était ancré en lui avec le temps et avec justement le nourrissage à la seringue. On a une autre question. Oui, Maïka aimerait savoir combien d'œufs peuvent-ils avoir? Les conures, que ce soit les conures soleil ou les conures à jouvertes, je vais sortir ici, vont avoir entre 3 et 6 œufs. Donc, ils ont quand même pas beaucoup, beaucoup d'œufs, mais c'est suffisant. Je vous avouerai, là, pour un petit conure comme ça, 3 à 6 œufs, ça fait beaucoup de bébés à prendre soin parce que les oiseaux, ce sont des bons parents. Hein? Ce sont des parents qui vont donner beaucoup de soins parentaux. Donc, les soins parentaux, en quoi ça consiste? Bien, première des choses, on va faire l'incubation des œufs. Donc, une fois que les œufs vont être pondus, bien, on va les couver pendant environ là, 24-27 jours, dans le top un mois. On va les couver pour qu'ils puissent éclore éventuellement. Ce qui tourne, tu tournes le dos aux gens. Tasse-toi un petit peu. Ouais, montre aux gens. Montre aux gens que tu es beau. Donc, la première étape des soins parentaux, ben, ça se trouve vraiment à être l'incubation. Ensuite, il va y avoir le nourrissage. Hein. Comme je vous disais, Skeeton, lui, il n'a pas été enlevé à sa maman sur le tard. Il a été enlevé plutôt sur le tôt, ce qui a eu comme impact d'avoir des problèmes au niveau de ses comportements, ce qui faisait le gagging. Donc, c'est pourquoi c'est super important pour les perroquets, les oiseaux, d'être sevrés adéquatement. Au bout d'environ 8 semaines, autant chez le conure à jouvertes que le conure soleil, les bébés sont prêts à s'en aller du nid. Ils sont prêts à s'en aller du nid et à voler partout. Et là, vous entendez les deux cris. Hein? Donc oui, ça peut apprendre à dire quelques mots, les conures, mais ce sont surtout des oiseaux qui apprécient crier. Et le conure soleil, c'est la cause numéro 1 de ses abandons. En fait, quand il est adopté, la cause numéro 1 d'abandon pour le conure, c'est vraiment le cri, parce que c'est un cri qui est très strident. Et pour vous donner une idée, lui, il peut crier à 135 décibels. 135 décibels, là, c'est dommageable pour l'oreille humaine. Puis c'est à peu près l'équivalent là, d'avoir un coup de tonnerre qui retentit juste à côté de notre oreille. Et je vous confirme, quand j'ai Skeeton sur mon épaule, puis qu'il décide de crier, ça me bouche l'oreille tellement c'est fort. Donc, ça explique un peu pourquoi les gens l'abandonnent, mais en même temps, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se renseigner à la base hein, avant d'avoir un conure à la maison. Mélanie, est-ce qu'on a des questions? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, super. Donc, autre chose... Ah, bon, ben on a une question. En fait, on a une question de Véronique. Elle aimerait savoir, autre que la manipulation et le sevrage, quel type d'entretien faut-il leur offrir? Bien, c'est exactement là que je m'en allais. Donc, il y a plusieurs choses, en fait, qu'il faut faire avec les conures. Bon, certainement, il faut évaluer au niveau du bec. Donc, parce que le bec va pousser tout au long de leur vie. Donc, ils doivent vraiment gruger des choses. Ils vont casser des choses avec leur bec. Comme par exemple, des petits jouets en bois, comme ça. Hein, ils vont vraiment pouvoir utiliser ce genre d'éléments pour limer leur bec. Et là, donnez-moi un instant, on vous laisse sur Skeeton. Mélanie, veux-tu chanter? Faire de la musique pour qu'ils puissent danser pour nous? Voilà,
quand que Skittles a fait une partie du rap. Le rap de Skittles. Donc, comme je disais, il faut valider la longueur du bec. Il faut pas qu'il soit trop long parce que sinon, il va s'en aller les blesser au niveau du cou. Donc ça, c'est une chose qui est bien importante de faire. Autre chose qu'on doit faire absolument, la taille des griffes. Donc, la taille des griffes, très recommandée. On peut le faire avec un petit ciseau comme ça. Plus on commence jeune, mieux c'est. Donc, quand ils sont habitués de se faire manipuler, qu'ils savent que c'est quelque chose qui est positif, qu'on les récompense après, il n'y a pas de problème du tout. On y va avec un petit ciseau. Une chose, par exemple, qu'il faut faire attention, si c'est un oiseau qui est plus âgé que vous venez d'adopter et qui n'a jamais été habitué à se faire couper les griffes, souvent la veine à l'intérieur va être plus longue et elle va continuer de pousser avec la griffe aussi. Donc, le ciseau peut faire en sorte qu'on va couper la veine malencontreusement. Donc, on peut se fournir une petite poudre comme ça qui est homéostatique. Donc, il va faire en sorte que ça va coaguler. Donc, une petite poudre qui est douce pour l'oiseau. Donc, ça n'occasionne aucune autre douleur. Puis sinon, si on a ce type d'oiseau-là qui n'a jamais eu la taille de griffe, on peut utiliser une lime. Une lime en pointe de diamant, c'est vraiment très efficace. T'en vas où, toi? Tu vas aller sur le perchoir-là? Vas-y. Si tu veux jouer avec les machins, vas-y, ils sont là pour toi. Donc, petite lime à ongles pour limer les griffes. Autre chose qu'on peut faire, bien évidemment, leur donner des bains. Hein, ça adore se laver les oiseaux. Généralement, quand on leur met des gros bols d'eau comme ça dans leur habitat, bien, ils vont avoir le réflexe par eux-mêmes d'aller se baigner tout seul et ensuite de bien nettoyer leur plumes. Et une chose qui est tout à fait non négligeable, qu'il faut vraiment penser, c'est de prendre le poids de son oiseau. Pourquoi? Parce qu'un oiseau, ça ne pèse pas beaucoup. Et quand il maigrit, souvent, c'est un peu trop tard qu'on s'en rend compte. Donc, bien important de prendre un poids relativement fréquent pour justement suivre l'évolution, à savoir s'il prend du poids ou s'il maigrit. Donc, je vais juste vous montrer de quelle façon on fait ça. Donc, c'est vraiment très simple. On a une petite balance comme ça. Une balance à aliments, tout simplement, qui calcule en grammes. Pourquoi tu es à 2 grammes? Voilà. Ensuite, on a un petit perchoir comme ça. On dépose le perchoir sur la balance. On remet le tout à zéro. Et là, par exemple, on irait avec la mise Skittles. On le mettrait sur le perchoir. Et on considère que Skittles pèse 104 grammes. Donc, Skittles a un bon petit poids. Si on y va avec mon ami Rio. Rio, tu pèses combien, ma chérie? Rio, oh, attendez un instant, ne voulait pas coopérer. Oui, tu veux juste rentrer dans mon chandail? Je sais, je sais. On va juste te peser, mon cœur. Voilà. Donc, Rio, qui est un conneur beaucoup plus petit, pèse 72 grammes, ce qui est un poids tout à fait raisonnable également. Donc, voilà, ça va être vraiment de cette façon-là qu'on va prendre le poids. On avait d'autres questions. Oui, je vais juste la retrouver. Parfait. Anne-Marie demandait leur pays d'origine. Leur pays d'origine, parfait. En fait, les deux proviennent d'Amérique du Sud. Donc, ce sont vraiment des perroquets qu'on retrouve dans le sud de l'Amérique, tout simplement. Donc, Bolivie, Venezuela, Brésil, etc., etc. Donc, c'est vraiment des petits animaux qui sont habitués de vivre dans les pays chauds. Donc, c'est certain qu'eux, sortir à l'extérieur, là, quand il fait 3-4 degrés, ça peut être tout à fait dommageable pour eux. Ils peuvent attraper le rhume et en mourir. Et là, vous voyez que Skittles gonfle un peu ses plumes. Hein? Pour quelle raison il va gonfler ses plumes? En fait, il y en a plusieurs. Première des choses, il pourrait vouloir intimider, donc en ayant l'air plus gros. Il pourrait vouloir séduire, donc en montrant son beau corps, son beau plumage, ses belles couleurs. Aussi, il pourrait faire de la régulation thermique. Donc, les perroquets vont gonfler leurs plumes afin de conserver une couche d'air entre leur peau et l'extérieur. Une couche d'air qui va faire en sorte que s'il y a de l'air froid, bien, elle va taper sur la couche d'air et s'en aller plus loin. Donc, l'air froid ne les atteindra jamais. Au même titre que lorsqu'il fait trop chaud, ils gonflent leurs plumes, ils trappent une couche d'air et l'air trop chaud va venir taper cette couche d'air-là et s'en aller. Donc, ils n'auront jamais trop chaud à l'air. Chez Dicasso, on va également faire la taille des plumes des ailes. Donc là, attention, on ne coupe pas les ailes, on va tailler les plumes. C'est quelle raison on le fait? En fait, c'est que chez Dicasso, ben, on a nos oiseaux sont tout le temps à l'extérieur de leur habitat, sauf la nuit et sur leur dîner pour qu'ils puissent avoir un petit break pour eux. Mais sinon, ils sont tout le temps sortis. Et on possède des habitats qui sont ouverts et des habitats de prédateurs qui sont ouverts. Donc, pour éviter qu'ils aillent se pitcher dans ces habitats-là, bien évidemment, on va leur tailler un tout petit
peu la pointe de l'aile. Ça les empêche pas de voler, ça fait juste en sorte qu'ils ne volent pas en hauteur. Également, ben, dans nos locaux, on a des ventilateurs qui tournent de très haut perchoir, donc ils pourraient aussi décider de s'envoler là et on n'a pas envie qu'ils y passent une nuit parce qu'ils pourraient se blesser. Ok, est-ce qu'on a... Oui, une question! Une question de Gabrielle. Elle se demande, est-ce qu'ils peuvent nous faire mal avec leur bec? Ok, ben écoute, Gabrielle, les perroquets ont effectivement un bon petit bec. Donc, eux, leur trip dans la vie, ce qui les amuse, oui, de passer du temps avec nous, mais également de casser du bois avec leur bec. Hein, c'est un peu ça leur jeu. Donc, effectivement, ils pourraient faire mal en croquant. Je te dirais que ce qui est drôle, quand il vient mettre son bec, il n'y a rien là. Il fait juste m'avertir. Il est comme, qu'est-ce que tu fais là, ton doigt? J'ai pas envie de l'avoir près de moi. Donc, c'est vraiment très rare là, qu'il va mordre très, très fort, mais c'est certain que nos perroquets sont habitués de se faire manipuler, sont habitués de voir plusieurs types de personnes, plusieurs gens aussi dans une même journée. Donc, ils sont super sociables. Une chose qui est particulière avec les perroquets, c'est que souvent, ils vont avoir des préférences hommes-femmes et ils vont préférer certaines personnes en particulier. L'ami Rio, juste derrière. Écoute, mon ami Rio. Écoute, mon poulet. Oui! Donc, la belle Rio, juste derrière, elle aime certaines personnes et il y a d'autres personnes qu'elle n'aime pas du tout. Donc, moi, elle m'aime vraiment beaucoup, mais c'est parce que je suis en train de parler de toi, Rio. Donc, elle m'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça qu'elle va s'abriter, me faire une petite épaulette comme ça sur ma chemise, hein, parce qu'elle m'apprécie particulièrement. Toutefois, s'il y a quelqu'un qu'elle n'aime pas, bien là, à ce moment-là, elle va vraiment se gonfler, elle va l'intimider, elle va lui dire « Là, là, tu t'approches pas de moi parce que moi, je t'aime pas. » Et parfois, ça peut occasionner que si la personne n'écoute pas les signaux, elle va effectivement se faire croquer. Et Rio, quand elle décide de croquer après un avertissement, bien effectivement, elle peut croquer pour faire assez mal. Donc, il faut toujours garder en considération qu'ils ont un bec qui détruit le bois. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'ils vont croquer pour blesser. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on n'écoute pas leurs signaux, effectivement, ça peut résulter en une morsure qui peut être douloureuse. Oui. Éric aimerait savoir, quels âges ont-ils? Parfait. Ben, en fait, ce qui est tôt, c'est un petit connu soleil de 2 ans. Rio, qui se cache vraiment plus loin que prévu dans ma chemise, c'est un connure à joue ouverte qui a 9 ans. Donc, ce qui est, on l'a eu 2 ans au mois de mars dernier. Rio a eu 9 ans. Donc, ce qui est, on qui monte les petits escaliers. Donc, voilà, la belle Rio qui a juste envie de se cacher, hein, qui a eu 9 ans dernièrement là, cet été. Donc, ce sont vraiment des petits connards qui sont assez jeunes encore relativement, là, parce qu'un connard en captivité peut atteindre facilement 25 à 30 ans. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec les connards? Oui, on dit que les perroquets, ça fait du bruit, ça peut dire des mots, effectivement, mais ce qui est le fun... OK, vas-y te cacher. Ce qui est le fun avec les connards, c'est qu'on peut faire des petits trucs spéciaux avec eux. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec le beau skéton. Donc, évidemment, on commence là à lui faire des petits trucs parce que c'est mignon et donc drôle. Donc, Skito, parfois, il va à l'épicerie. Mais non, mais l'épicerie, faut que tu montes sur le panier, Skate. Il va à l'épicerie. Voilà. Et il n'oublie jamais d'acheter du papier de toilette, hein, parce qu'on ne sait jamais, avec le COVID-19, peut-être qu'on va être en pénurie de papier de toilette un jour. Donc, il achète du papier de toilette, des petites noix, des petits raisins. Skito, on voit un morceau. C'est un gros morceau, hein. Partage-le avec moi. Non, c'est correct, t'as droit. Donc, parfois, ben, on le met sur son petit panier, puis on le fait promener comme ça. Kétol, il trouve ça très drôle. Enfin, on suppose qu'il trouve ça très drôle, mais il reste là. Donc, il est vraiment très gentil. Autre chose qu'on peut faire, qui est le fun aussi, avec les connards, c'est que souvent, quand on est habitué de les manipuler, on peut réussir à les mettre sur leur dos. Comme ça. Et parfois, il y a certaines personnes qui réussissent à le mettre sur le plancher. Moi, Skito, il veut pas. Il n'a pas envie. C'est correct. Hein? Mais à force de travailler avec lui, ben, on lui fait comprendre, regarde, je te mets sur le dos, Skito, le tout va bien. Il y a même certaines personnes qui font l'association d'un pam, pam, puis là, leur connard, tchou, il tombe sur le dos, comme s'ils étaient morts. Donc, c'est vraiment très comique. Autre chose aussi, les connards soleil, ce sont des perroquets qui adorent jouer, qui sont vraiment très, très coquins. Donc, ils font souvent des niaiseries. Hein?
Donc, ça adore se percher, la tête en bas. Ah ouais, donc. Donc, c'est vraiment des petits comiques qui aiment bien nous faire rigoler. Certains que quand ils détruisent des meubles ou qu'ils crient à 135 décibels, c'est un peu moins comique, mais tout de même. Tout de même, ils font des petits trucs comiques. Et ce qui est drôle, des fois, ils se partent la tête par en bas. Est-ce qu'on y voit ce qui est drôle? À une main. Comme ça. On recommence? Encore une fois? Attention! Donc, il peut se pendre par lui-même comme ça. Donc, une chose qui est super cool, c'est que justement, quand on a un perroquet comme ça à la maison, le plus de perchoirs possible pour qu'il nous suive, c'est toujours le mieux parce que lui, il est content d'avoir de la compagnie, il est content de voir son maître. Donc, on a des petits perchoirs mobiles comme ça qu'on peut traîner avec nous. On lui met des jeux dessus, donc il peut s'amuser tout en étant avec nous, donc des jeux à détruire. Est-ce que tu ne veux pas te percher dans les cheveux de Mélanie, la caméraman, hein? Tu vas rester pogné dedans. Voilà. Des jeux qu'il peut détruire et parfois des petits cordages auxquels justement ils peuvent se pendouiller la tête par en bas pour nous faire rigoler. Ça peut toujours être fait. Regarde ce que toi, que tu veux jouer avec ça? Non, c'est correct. Qu'est-ce que ça mange un perroquet? Hein? Qu'est-ce que ça mange un connu? Donc, il y a différents types de nourriture qu'on va leur donner. Donc, principalement, on leur donne de la moulée comme ça. Je vais juste prendre ma belle Rio. On va la mettre avec nous sur le bol. Donc, ça, c'est de la moulée qui est vraiment faite exprès pour les perroquets. Donc, il va vraiment y avoir tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Bon, d'accord. Tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour bien vivre en captivité. Et là, il faut faire attention parce qu'en animalerie, la nourriture qu'ils peuvent vendre n'est pas toujours adaptée. Des fois, c'est un peu comme du fast-food. Par exemple, on pense à ça ici. Si on ne donne que ça au perroquet, c'est sûr que c'est pas très bon. Hein? Mettons, les graines de tournesol ici, là, c'est très, très gras. Donc, ça peut aller avoir un rôle très négatif au niveau de leur foie. Donc, c'est certain que les graines de tournesol, on essaye de pas trop en donner. Ce type de nourriture-là aussi, c'est un peu comme du McDonald's. Une fois, de temps en temps, à titre de gâterie, c'est correct. Si on donne ça tous les jours, à ce moment-là, ben, c'est du McDo à tous les jours, du gras à tous les jours. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne alimentation. Donc, autre chose qu'on peut leur donner, ben c'est des petites gâteries comme ça, sous forme de noix, hein, tout simplement. Donc, Skiton, par exemple, excuse-moi Rio, je t'ai donné un coup de chapeau. Skiton, par exemple, aime bien ça d'habitude. Ah, c'était pas son type de noix, hein, c'est un mélange. Donc, Skiton va utiliser ses pattes pour se nourrir. Et ça, c'est la grande différence entre les perruches et les perroquets. Les perroquets utilisent leurs pattes. Les perruches, généralement, vont déposer la nourriture quelque part et utiliser le support sur lequel ils ont déposé la nourriture pour se nourrir. Donc, l'utilisation de la patte comme ça pour tenir la nourriture, c'est vraiment typique des perroquets. Mais les perroquets et les perruches font partie de la même famille, c'est-à-dire la famille des psittacidés. Donc, c'est tout, grosso modo, des petits animaux avec des couleurs vives, un bec crochu. Mais la distinction qu'il faut faire, c'est vraiment au niveau de jeter la nourriture avec ma patte ou non. Donc, tout à l'heure, je vous disais que les oiseaux peuvent muer. Hein, donc, c'est tout à fait normal pour eux de muer, de changer leurs écailles. Et nous, ben, on aime bien ça récolter un petit peu leurs plumes. Donc, il semblerait que... Ah, ben ça, c'est peut-être des plumes de Skeeto. Donc, quand les plumes tombent et qu'elles sont très jolies, ben nous, on les garde. On fait des petites collections. Je ne sais pas si vous avez écouté le live sur notre beau coco vendredi dernier, mais également, on fait parfois des petits souvenirs à propos de ces oiseaux-là qui auront côtoyé notre vie. Donc, voilà les plumes de Rio, les petites plumes de Skittles. Donc, on va les garder avec nous comme souvenirs. Des fois, ça va arriver qu'ils vont se les arracher eux-mêmes. Attention, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de la détresse psychologique, que c'est du piquage qu'on appelle. Souvent, ça va être seulement parce que, bon, ben, cette plume-là, elle est due pour muer. Donc, ils vont l'enlever pour accélérer le processus. Sauf que les perroquets, ben, on le sait, ce sont des enfants mentalement. Donc, ils ont besoin d'être stimulés toujours, toujours. Et c'est pourquoi, ben, parfois, ils peuvent faire ce qu'on appelle le piquage, donc s'arracher des plumes par ennui, par détresse. Donc ça, c'est vraiment super important quand on commence à avoir des problèmes de ce genre-là apparaître. Bien, il faut tout de suite agir pour limiter le désastre parce que, bon, un perroquet qui s'arrache toutes les plumes, bien souvent, ça va être très, 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 très long à repousser. Puis aussi, ça peut occasionner d'autres problèmes subséquents. Donc,
la vision chez les oiseaux. Donc, mon perroquet, c'est un... Mais en fait, les deux perroquets, ce sont des oiseaux qui sont diurnes, donc vont vivre en colonie la journée et la nuit vont pouvoir dormir. Et leur vision est très différente de la nôtre. En fait, ils sont capables de voir en noir et blanc, ils peuvent voir en couleur et ils voient également les rayons UV. Donc, chose que nous, on ne voit pas. Alors, je vous ai imprimé une petite photo ici. Donc, ça ici, ça serait la vision de l'être humain de ce type d'oiseau-là. Ici, ça serait la vision du conure de ce type d'oiseau. Donc, il y a des couleurs qui apparaissent parce que ce sont des couleurs qui vont refléter les rayons UV que nos yeux à nous ne sont pas en mesure de percevoir, mais que, par exemple, les yeux des perroquets le font. Ce qui fait que, des fois, ben, nous, on va trouver un oiseau un peu triste, un peu morne, mais que les oiseaux entre eux vont se trouver vraiment très beaux parce que, justement, ils ont la capacité de voir d'une façon différente de nous. Donc, tu veux monter sur mon chapeau, Rio? Pas de problème, vas-y. Tu t'en sors? Es-tu sur le top? Es-tu sur le top? Pas encore? Tu as besoin d'aide, ça va? OK! Donc, j'espère que vous en avez appris davantage sur les conures. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, on a un super forfait animation Zoom qu'on a parti. Donc, un beau forfait qui vous permet de vous rapprocher là, de façon tout à fait légale avec vos proches puis en même temps d'en apprendre davantage sur certains animaux. Vraiment super chouette. Et mon petit skeeton ici, tu voulais grimper toi aussi? Est-ce que Rio est sur ma tête? Un petit peu, je vais essayer de voir. Ah, il est sur le rebord, c'est correct. Donc, Skittle aussi aime beaucoup les chapeaux. Donc, ben nous, on vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain pour un autre live, donc à 14h. Puis, ben Skittle et Rio, on dit bye-bye.